Faut m'accepter. Oh oui! Oh la joie, effectivement. Oh! Oh, j'aime les feux de camp! Ah, ce feu de camp! Ah oui! Oui, ça c'est un beau feu de camp, ça. Ah oui! Là, c'est le mec qui avait raison. Hein. Joie droit devant. C'est vrai. C'est vrai. Joie droit devant. Je ne peux que valider ce message. Joie Ah putain, c'est ça. Oh, t'as toute la pression qui redescend d'un coup là. Grave. Allez, c'est reparti. Attends, on va prendre un niveau, on va en profiter. On va en profiter pour prendre un petit niveau, ça sert pas à grand chose, hein, mais bon. Faut bien que j'utilise mes. Bien que j'utilise mes grandes âmes, allez. Pour le plaisir de prendre un level, voilà, passer à 40 en endurance. Allez, c'est parti. Ça sert à rien, mais c'est toujours bien level up. J'ai un truc qui est derrière moi. Bah les couilles. Ah! Oh, j'ai rien vu côté caméra. Ok, oui, c'est normal. Oui, non, là j'avoue que. C'est fils de plus de 3000. Hein, là, deux Bob. Je me doutais bien qu'ils allaient les mettre un ou un autre. Mais j'avoue que j'avais oublié ça. Tiens, vous imaginez les gens qui ratent le feu de camp ici? Ils doivent être tellement tristes. Est-ce qu'on peut pas les dodge en vrai? Parce que j'ai pas une passion à affronter ces saloperies, hein, je vous dis tout de suite. Oh putain, yes, c'est bon. Attention, miracle droit devant, c'est à dire quoi ça? On n'a jamais assez d'enduse à le swatch ici, exactement. Ouah. Petit lézard, encore les tirites scintillants, j'en ai plus besoin de m'écouter. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, bonjour. Il y avait tout un passage aussi, il continuait tout droit là. Okay. Appelez-moi le défroyeur. Oh oui. Oh mon dieu. Allez, d'accord, c'est pas. Oui, d'accord, ok, c'était pas un boss du tout ça, le truc d'avant. D'accord, ok. Ah oui, c'est. Ah oui! Excellent! Oui, d'accord. Bon, là, je l'ai one shot aussi, bien. C'est vrai que le boss, au moins, il m'a fallu 3 coups pour le buter. Ah non, je l'ai touché, pardon. C'est quoi l'histoire des bébés, pardon? Faut deux coups quand même. On en parle des bébés zombies qui me poursuivent là? Est-ce qu'on en parle 2 secondes de ça? Ça
si vous voulez. Tiens, je crois que c'est Nito là. Là, je crois que c'est Nito, chers amis. Là, je crois que c'est Nito. Bon, on y va en mode ballsy, hein. On y va en mode all in one. On y va en mode immortel. Nito, j'arrive en forêt. Espérons qu'il ne one-shot pas. C'est pas Nito? Mais non. Bonne chance. Attention à ce qu'il y a droit devant. Ah, déjà, t'es content, t'arrives Milai? Si, c'est Nito, c'est Nito. Il était en train de faire une sieste, regardez, pépouze et tout, et on vient lui casser les couilles. Moi, en même temps, je comprends, hein. On vient de me réveiller d'une sieste, je pète un câble, hein. Salut Sylvain, bonjour à toi. On me réveille d'une sieste, je pète un câble, hein, je comprends le mec. Combat contre Nito. First try, on va voir. Je suis pas trop... Je suis pas trop inquiet. Après, je crois qu'il avait des sorts qui faisaient des dégâts de ouf. Un peu de dégâts. Là. C'est rigolo, ça. Ça a l'air fun. Alors, mon pote, ouais. Ah ouais, ça a l'air cool. Ok, il y a du friendly fire, il éclate ses potes, je crois. Ah, il y a beaucoup d'ad. C'est un mec qui est autant d'ad là. J'arrive, je veux rouler sur la droite, j'arrive pas à rouler sur la droite. Sur la droite, putain. Non! J'ai pas allé. Je suis coincé. Oh la caméra, elle est. Waouh! Allez! C'est le first try de Nito. T'as un site, il est parfait. Il avait du point de vie, par contre, hein. Mais parfait, tout de suite. Bah, il a jamais réussi à me toucher avec ses cristaux. Je me suis mis derrière sa tentacule droite et. Et là, pour le coup, t'aurais pu me donner une arme qui tapait. Enfin, il m'a jamais. C'est ça que j'ai jamais été en danger, touché, les cristaux étaient loin, je sais pas pourquoi. C'est ça. C'était du pur safe shot, là, pour le coup. Hein. Je trouvais Bloodbound Glow qui druby vénère. Ouais. vénère, ouais. L'homme tellement... Oui, parce que j'ai dit ça. Si je finis avant 19h, on va sur Demon's Souls, en prime. First try, Nito. Il y avait du monde quand même en mob. Hein. Il y avait vraiment du monde en mob. Hein. Tu, excuse-moi. Ouais, c'est lui le décombre ancien là, donc oui. Je pense que je peux me casser, hein. Attends, on va vérifier quand même, faire un petit tour de la zone au cas où. J'ai les 4 là, c'est... Oh putain. Bon, en vrai, il est 16h16, là, je pense que je suis... Ouais. C'est ça, hein. Ça va être la passe... Par contre, il va y avoir tous les chevaliers dans la passée, qui sont un peu relous. C'est pas le bout du monde. Et ça, je vais pouvoir pratiquer la parade. Je peux les rush, mais bon. Je connais pas du tout le jeu par cœur, hein, Chroma. J'ai fait le jeu 2 fois, peut-être 3, il y a 9 ans de ça. Je ne connais pas du tout de jeu par cœur. Hein. Le remaster, enfin, ça fait des années que j'y ai pas joué. Enfin, j'ai l'impression, je redécouvre le jeu, tu vois. Autant Demon's Souls, alors je sais pas à quel point je vais m'en rappeler, on verra bien. Parce que pareil, Demon's Souls, ça fait 10 ans que j'y ai pas joué. La dernière fois que j'y ai joué, c'était fin août 2010. Donc ça remonte, quoi. Je rigole, regarde au-dessus. Hein. Ah, c'était une blague, d'accord. Oui, mais point d'exclamation blague, au cas où. Je comprends pas les blagues. Moi, ce boss...
je crois que la première fois que j'ai fait Dark Souls, est-ce que j'étais pas en mage? Parce que je fais toujours une run en mage. Demon Souls, après Demon Souls, je frustrerais tout. Pas tout d'avant. Faut le taper. Ouais, c'est... Tu dégoûtes. Ah mais là je suis à l'épée à deux mains là, go cac. Je fais quoi l'enfoiré? Il se faisait tellement chier que... Bah... ouais. Ok, ouais. Pas moi, genre de jeu, pas la patience. Ah bah alors là, Silver, avec le passage que je fais dans le noir... Oh mec, la patience, c'est un travail de fou. C'est en termes de patience, avec les roues avant, c'est les roues qui te... Oh là 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 là. Et ta vie, elle fout. Pourtant, j'ai une barre de vie, comme tu peux voir. Elle n'est pas glacée. Mais la vie, ils s'en battent les couilles, hein, honnêtement, ça change pas grand-chose. Faire des âmes, qu'elle est royale. C'est parti. Une. C'était génial, perso. Clairement, la zone de feu a été bâclée. Effectivement, ça se, je suis d'accord par contre là-dessus. Y a un truc qui s'est passé. Tu l'avais fini ou pas, Silver? Après Bloodborne, je sais pas s'il est plus simple. Ce qui est dur. Il est dur, mais. C'est un action aventure quoi. Si, au moins tu te prends moins la tête sur la partie RPG sur peu de temps. Enfin, prends la tête. Après, moi je suis pas pris la tête, hein, j'ai tapé. Hein. J'avais fini, je me suis forcé. Ah bah, c'est pas pour toi alors. Faut jamais se forcer. Hein. Jamais. J'ai vu l'onde d'un chevalier là. Kiln de la première flamme. On arrive à la fin de Dark Souls, chers amis. Bah, en vrai. On est d'accord que là, dans une heure, moi, j'ai fini le jeu, même avant peut-être. Ah. Ok, ah, attendez deux petites secondes. On va prévenir. Merde. Dans ce cas-là, ok. Gwen, oui, je suis pas. De toute façon, je pense pas que ça me bloque maintenant. Sans méchanceté, hein, mais. C'est ça. Ok, c'est bon. Je suis sur projecteur, Silver. Effectivement, comme le dit Combat. J'avais mis la caméra dans un autre angle tout à l'heure, mais je suis sur mon vidéoprojecteur, Silver. C'est pour ça. J'ai voulu kiffer pour les Demon's Souls. Je me suis fait un petit kiff. C'est pour ça. Et pour le coup, le projet fait absolument pas mal aux yeux, parce que techniquement, je mate un mur, tu vois. Effectivement, la lumière est réfléchie, mais le... C'est génial pour les yeux. Y a pas un feu? C'est bizarre. Plus attends 18h30, je dois ma santé vers 18h. Ah, ça m'étonnerait. À part si je galère, tu vois. À part si je galère, on verra là, mais. Je suis en attente de rendez-vous. Ah, y'a pas de soucis, non, mais c'est juste pour t'expliquer pourquoi tu vois, je suis dans le noir, quoi, au cas où. Ah, oh, les chevaliers noirs, je suis en train de les détruire. Ils m'ont pas encore touché pour l'instant. Ah, oh, je suis trop content. C'est vraiment cool les amis Dark Souls. Hein. Sincèrement, si vous aimez quand même ce genre de jeu et que vous l'avez pas fait, c'est un grand jeu Dark Souls. Hein. Il est pas parfait, mais le level design, les combats, l'ambiance, ça reste 9 ans après, ça reste une franche réussite. C'est une vraie réussite. Je suis un peu ému de le finir. Je suis un peu ému aussi d'attaquer les Demon's Souls, je vous avoue, je suis très content. C'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment cool. Oh. Ah, j'essaie un truc. 1101. Parce que j'ai pris l'anneau de crit sur les front stab. Donc je fais des dégâts de front stab encore plus vénères. Là, je vais faire des dégâts de front stab dinguerie. Ah, donc là, c'est flippant pour le coup. Après c'est pas mal de jumpscare, mais c'est vrai que ça marche bien. Le stuff de chevalier noir. Vas-y attends, je vais le mettre pour l'électricité.
qu'il est classe ou pas. J'ai tellement de stuff là. Je l'ai quand même pas si mal exploré. J'ai pas tout exploré, on est d'accord. Hein. Par exemple, la forteresse de... La forteresse de Seine, par exemple, vous voyez, je l'ai un peu zappé. Ah non, Londo, je l'ai quand même bien exploré au final. Il y a quand même quelques zones que j'ai quand même bien, bien explorées. À voir. Après, je... J'ai pas fait voir. Non, ça va, je suis en mid-roll. Non, ça va, je suis en mid-roll, on est bien. Je suis... Après, j'ai beaucoup d'endus, hein. J'ai 40 ans d'endus, hein. C'est quand même stylé de finir le truc en chevalier noir, je trouve. Allez. Pour le kiff. Non mais New World, ça va être full exigeant sur la chaîne. Je vous annonce hein, déjà, 300 heures de live à la sortie de New World. Le mois de la... En Havel, tu dois être en live quasiment. Là, le mois de la sortie de New World, c'est 300 heures de live. Hein. Oh, il y a une hache. Mais non. Salut. Là, je suis en mode, j'ai plus le temps, là. Je suis en mode j'ai plus le temps là les gens, je vous le dis. Il y a que lui à la hallebarde, j'ai toujours du mal avec les timings de la hallebarde. C'est bon. J'ai éclaté tout le chevalier noir. Full front stab. Je fais 1000 front stab. J'ai, tu sais, j'ai l'anneau qui augmente les front stab. Oh bah là c'est... C'est one shot land. Menteur droit devant. Quoi, y'a quoi devant? Ouais, je suis KO. 300 heures en 2 semaines. Non, on a moi Dark Atop. Je ferai à peu près 11 heures de live comme aujourd'hui, les choses que je pousserai un peu plus, tu vois. Gwen, Seigneur des Cendres, buzz de fin de Dark Souls, c'est maintenant. Il est rapide quand même, hein. Quand même rapide. Ah, GG. Ouais. J'ai envie d'essayer un playback là, je vais prendre mon temps. Hein. Quel loot. Je vais prendre un peu mon temps, j'ai envie d'essayer les défendre ça, excusez-moi. On va essayer un petit peu. Ah. La musique est terrible. Ouais, c'est. On aurait dû faire un sondage, combien de morts. Alors, je pense que je peux le buter assez facilement en vrai, Silver. Je vous trompe peut-être, tu vois, mais globalement, j'ai éclaté de jeu. Je suis pas trop... Là, ce que j'ai envie, je n'ai jamais fait de front stab et tout sur lui. Putain, par contre, il est loin le feu en vrai. On est... Il n'y a pas de feu hein, dans la zone. Tu reviens en calice à chaque fois, hein. Oh putain. En stab, il est ultra chaud. Il a l'air chaud, mais j'ai jamais testé, tu vois. J'ai un peu de temps devant moi, donc bon, je m'en fous du nombre de morts là. On va. Bam. J'ai envie d'essayer, tu vois, hérésie. Bah après. Ah, mais il est pas mort. Genre. Après le truc c'est que le chemin est long donc bon au pire je me dis je le ferai normal et je le fume et puis basta. J'essaye quelques tries en faisant les fonds de sable. Si j'y arrive tant mieux et si j'y arrive pas bah écoute je vais quitter. Hein. Ah mais j'ai 20 fioles d'estus. Comment ça se fait? Oh non il va me tuer lui, attendez. Mais non mais... Oh putain. Pourquoi j'ai 20 fioles d'estus par contre? La chance, tu chopes l'âche. Ce serait stylé. C'est normal que j'ai 20 feux. Ouais, beaucoup. Non, je vais finir. Après, j'ai envie de faire le jeu en moins de 200 morts, donc bon. Bon, allez, on y va sérieux, tant pis. Écoutez, il se passe ce qui se passe. Si j'arrive à le front stab, je le fais. Sauron réclame son armure. Tellement. Après, en vrai, là, les roulades sont bien, hein, ça va. Il fait du feu, Gwen. Attendez, il y a quelle. Est-ce qu'elle est bien contre le feu, son art? Défense, feu. Est-ce qu'il y a. Homme de gardien, ouais, c'est ultra lourd. Est-ce qu'il y a quelque chose mieux contre le feu? Fer noir, ouais, normal. Ah ouais, bordé noir, c'est top. Bon, écoutez, on va se remettre. Ah oui, il est vraiment bien le. Le stuff de Nazgûl en vrai. Ah, il est vraiment trop, trop bien. Parce qu'il fait... il tape en feu. Après, je sais pas si c'est. Bon. On, va faire... on aura les fatrolls, enfin les. Grande. Allez, c'est parti. 20 fioles d'estus. Ah, putain. Entre ça et mes. J'ai 56 îles, quoi. Entre ça et mes humanités. C'est pour ça que je vous dis, je peux l'éclater, mais bon. Ouais, non, mais ça va le faire. Ça,
vrai que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, tu vois, ça va être stylé un front stab sur lui. Ils ont le point de vie, mine de rien. C'est ça. Et Gwen est un homme. Nous saurons si... Non, je pense pas. On va voir. On va voir. Après, je sous-estime peut-être, hein, mais je pense pas qu'il puisse être plus dur que Manus, déjà. Allez, salut. Mais il lâche tous des loot en plus. Quel jeu quand même, quel jeu. Et tu l'as fini ou pas ton deuxième run de Dark Souls 3 toi? Et t'as toujours kiffé jusqu'au bout et t'as fait DLC aussi donc c'est ça. Et ils sont vraiment très très cool. Ça marche. Ouais, c'est pas par là? C'est par où? Ah non c'est là. Salut. Hey, t'as mon épée. Mon épée! Non, mais! La petite amie. C'est cool, j'en ai absolument pas besoin. C'est vrai que pour farmer, par contre, hein, de quoi améliorer ses armes, les chevaliers noirs, c'est la folie. Hein. Allez, il me reste le mec à la hache, le mec à la halba, on est retour sur Gwyn. Gwyn. Ah, quel jeu! Allez, salut. Pas en besoin de fiole, de toute façon. Je veux pas lâcher leur hache, hein, par contre. J'aurais été curieux d'avoir. Ouais, non, lui, il me casse les couilles, par contre. Lui, il me casse les couilles, par contre, lui. Je vous le dis clairement, le halbardier, j'ai pas la foi. Allez. C'est ça qui est bonne amie. Ah je lui fais mal. Fais mal aussi c'est celui-là. Pas que je sous-estime en soi. Ah ouais. Ah ouais, les dégâts sont insane au front stab. J'ai réussi à en faire un. 1126. Ah ouais, en front stab, c'est un délire. Hein. Ok, c'est trop stylé. Salut Sliders. Ah ouais, je vais le détruire en front stab, le bordel. Ça va, je pense, impossible de one-shot. Avec le front de stab, alors, je sais pas, mais après le quand il one shot au first try ou le tuer en un coup. C'est la même chose, soit tu es du premier coup ou tu es en un coup. Parce qu'il y a des builds parfois, mais après il prend cher. Donc il me faut 3 front de stab, je crois là. C'est ça, avec 33 je le buterai. Ça me semble compliqué, oui. J'arrête, je les dodge en vrai. Ok. Putain, il est loin le feu par contre. Il fait mal hein, ce Sidien. Faut pas que je sous-estime quand même. Hein. Mais en vrai, je vais aller à l'humanité pour en mettre full live direct. Hein. Je sais pas si les humanités sont plus lentes pour le heal. Enfin, le heal de l'humanité proc plus lentement ou plus rapidement. Parce que l'humanité, comme ça, j'en mets full live, je me fais pas chier. Boss de fin. Voilà. A chaque fois je me gorge le chemin. Ah. Merci de m'avoir laissé la place. Je sais pas si toutes ces attaques sont parables après. Si tout est parable, clairement. Ça va être une destruction. Hein. Allez, on y retourne. C'est parti.
belle la musique. Hein. Non! Putain. Saloperie. Et dehors. J'arrive pas, j'ai l'impression que tout n'est pas parable. C'est chaud par contre hein, de se concentrer là-dessus hein. C'est très très chaud de... c'est pas évident pour les parades. C'est style, très stylé, salut c'est l'arc. Et pareil, vous voyez, j'en ai réussi. Logiquement il aurait dû mourir parce que j'ai réussi 3 parades, mais ça a pas fait les fronts de stave après. Et je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai paré 3 fois, il faut le parer 3 fois pour le tuer. Donc techniquement, mais peut-être que j'étais pas assez proche. Je sais pas. Moi je me dis que j'étais peut-être pas assez proche. Seule explication que je peux avoir. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des pros de la parade ici. Parce que j'ai bel et bien réussi à le parer 3 fois, ça j'en suis sûr. Salut c'est l'arc. Bon sang, c'est ce qui arrive. Non mais casse-toi, j'ai pas le temps. Eh ben je sais pas non plus. À deux mains, j'ai l'impression qu'on peut pas le parer, que c'est que à une main. Je connais pas le jeu, mais ça se joue un pixel près. Ouais, c'est possible sinon effectivement que ce soit... Après ouais, il faut que je sois plus proche quand je pars. Je pense que les deux fronts de stab que j'ai raté, donc j'aurais tué le boss là, c'était parce que j'étais pas assez loin. Je vois que ça comme l'explication cohérente. Allez, on y retourne. On est à combien? 196 morts, ça va. Parfois j'arrive, parfois j'arrive pas. Lui je me dis par contre qu'il doit être plus simple avec une arme rapide pour le POC. Parce que là il tape quand même très vite et mon arme... Bon par contre les humanités c'est vrai que c'est nul pour celui-là. Pas de backseat. Ouh non non pas de soucis. Je peux le buter, c'est pas le problème. La question pour moi n'est pas de le tuer, la question étant de jouer le tuer avec les fonçables, tu vois, je trouvais ça plus stylé pour le coup. Feu, et non. Et donc par contre, on est bien sûr hein, qu'il n'y a pas de feu, on est obligé de tous se retaper, hein, il n'y a pas de feu dans cette zone là. On est bien d'accord. Hein. C'est pas trop loin, hein, mais c'est vrai que ça fait une petite roche quand même. Oh putain. Il n'y a aucun feu dans la zone, hein, c'est normal. C'est ça, ah, c'est vrai que c'est très cool. Au moins tu sais que... Comme ça tu perds pas ton temps, tu vois.
Au moins tu perds pas ton temps, tu vois. Là c'est vrai que je sais pas, est-ce que je peux parer, est-ce que tout est parable, est-ce que il y a que quand ça, il a une main que c'est parable, tu vois, j'en ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée de ce qui est parable et ce qui ne l'est pas, quoi. Donc j'essaie de tout parer dans le doute. Je crois qu'il y a deux mains, j'ai l'impression qu'il est quand même parable. Hein. Quand même l'impression qu'il est parable à deux mains. S'il attaque à deux mains. Quel anneau crit, ça vaut vraiment le coup. Putain, le timing pour moi c'est un gros boulot. Hein. C'est vraiment mon ennemi hein, dans les jeux, le timing, tout ce qui est sur le timing. On n'est pas pressé, on va s'acharner un peu. Et si... Allez. J'aurais dû mettre encore plus de 8 ans. Pour trail. J'y arrive pas. Hein. Ah, et là, il bait. Je sais qu'en roll, hein, le roll c'est pas le problème, mais... J'arrive pas à réussir une seule. J'ai plein d'opportunités de le taper, mais ça me frustre. J'ai fait un try, j'en ai réussi 3 et là j'arrive pas à les faire.